messieurs, bonsoir et bienvenue à la 26e édition du Montreux Comedy Festival! Ce soir, chers amis, j'ai choisi de passer une soirée avec vous à Montreux. Pourquoi ? Parce que c'est un festival qui compte énormément pour moi et surtout parce que c'est un changement de vie complet aujourd'hui. J'ai décidé, chers amis, d'arrêter la magie. Merci de votre spontanéité. Oui, je comprends votre déception, mais j'en peux plus de ce métier. Je n'en peux plus. T'as vu comment on est obligé de se fringuer, sérieux ? Même les patineurs artistiques se foutent de notre gueule. Je vais avec tout ce qui est vieux. Je vais avec tout ce qui est ringard. Tiens, c'est pas possible, tiens. Tiens, viens. Ben, tiens, regarde le vieux, là. Regarde. 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 Le mec, il est quasiment décédé. Regarde comment je vais bien avec lui. Regarde. C'est une momie. Regarde. On va super bien ensemble. Tu viens de loin. Bien, alors... non mais je fais, c'est pas possible. Mais plus personne me respecte, vous voyez. Tout le monde, il faut que je me respecte, les amis. Même ma famille se fout de ma gueule. Vous savez, à l'école, il y a une journée des métiers. Alors mon fils m'a dit, s'il te plaît papa, je t'aime, mais respecte-moi, ne viens pas. C'est horrible. Je n'en peux plus. La vie de magicien, je vais vous dire, c'est tellement horrible. Tiens, l'échelle d'artiste du magicien. Par exemple, le rocker. Une nana va voir un rocker. Le mec, il tient sa guitare. Les nanas, elles font « Waouh, t'as vu comment il tient sa guitare ? Ça doit être un coup splendide au pieu, tu vois ?» Un magicien qui fait apparaître une colombe. Les nanas, elles font « Waouh, t'as vu comment il fait apparaître sa colombe ? Il doit encore vivre chez sa mère. » Tu es toujours sa mère. Il est sensible, il aime les animaux, il doit être gay. Genre, je n'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Tous les jours, on me pose les mêmes questions, jour après jour. Ma vie, c'est la routine. On me dit, tiens, à chaque fois que je fais un tour de magie, les gens me font « Eric, dis donc, tu peux me dire comment ça marche ?»« Non, je ne peux pas. Sinon, je suis obligé de te buter. Hein. » Faut garder le secret. Les gens me disent « Eric, dis donc, oh, tu transformes les billets. Tu peux me faire des billets, s'il te plaît ? Les chiffres du loto. Pourquoi tu travailles ?» J'ai pas le droit de parler aux moldus. Laisse-moi tranquille. Ou pire, la misogyne. Les gens me font « Eric, dis donc, tu voudrais bien faire disparaître ma femme ?» C'est rigolo. Oui, je peux. J'ai des copains albanais qui font ça pour 500 euros et c'est définitif. Et en plus, ils sont super commerçants, le viol est offert. Ça pète bien l'ambiance. Donc ce soir, chers amis, j'ai décidé d'arrêter la magie. Mais en même temps, je me dis qu'il y a quand même des avantages, quoi. Par exemple, Non, pas d'abord. Ah, si. C'est grâce à ça que je suis ici ce soir, avec vous à Montreux. Ah, ouais. C'est grâce à ça, mesdames et messieurs. C'est grâce à ça que je vais être payé ce soir. Maintenant, excusez-moi, j'en peux plus de ces capes. Esclaves! Je n'en peux plus. Tu te grouilles, tu fais attention au tissu. Et peut-être que si t'es sage, je te rendrai ton passeport. Allez, file. Je n'en peux plus. Tous ces Kosovars qui viennent piquer le boulot des Roumains, je n'en peux plus. Alors, oui, je disais, ce soir, avant de vous présenter un dernier tour de magie, j'aimerais vous présenter ma nouvelle passion. La musique, parce que ça, je pense que j'ai vraiment un avenir en musique. Et j'aimerais vous présenter mon prof de musique anglo-francophone, vous allez voir. Mesdames, messieurs, les franglaises. Salut Jonathan, ça va ? Et ça va et toi ? Ouais, ça va bien. Ça fait plaisir que tu sois là.
Salut les amis, ça va? C'est trop bien, je suis trop content. Alors Jonathan, en tant qu'ambassadeur, que chef un petit peu de bande, que capot, que parrain de ce groupe de musique hallucinant, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le concept des Franglaises? Bah les Franglaises, c'est sûrement... 1, 2, 3, 4 Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. Comme nous l'a dit notre ami, monsieur Éric Antoine, nous sommes la compagnie des Franglaises. Alors, c'est excellent ce que tu viens de faire là. C'est quoi? Là, le... Vas-y. Wow! Oh, ça marche! Non, mais je peux le refaire? Mais vas-y, fais-toi plaisir. Comment je t'ai niqué? Bon, voilà comment va se passer le jeu des Franglaises. Nous allons, dans un premier temps, vous donner des traductions littérales de l'anglais au français. Dès que l'un d'entre eux a trouvé le titre de la chanson, il nous le crie bien fort et nous vous l'interprétons à la sauce franglaise. Si je vous dis, on n'a pas besoin d'éducation, on n'a pas besoin d'un contrôle des pensées. The Wall, les Pink Floyd, c'est la bonne réponse, bravo. On n'a pas besoin d'éducation. On n'a pas besoin d'un contrôle des pensées. Hé, hey, professeur, laissez les jeunes tranquilles. Tout dans tout, ce n'est qu'une brique de plus dans le mur. Voilà, voilà un petit exemple. Merci. Excellent. Merci. Excellent. Alors, autre exemple. On fait un autre exemple. Donc, si je te dis, c'est une sorte de magie. Ah bah oui, it's a kind of magic. Exactement, magic. It's a kind of magic de Queen, c'est la bonne réponse. Écoute, mais oui. Écoute. C'est une sorte de magie. Une sorte de magie, 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 magie. Magie. Alors, hein? Il a une tête de serial killer, lui. Tu as des bébés dans ton frigo? Hein? Tu as des bébés dans ton frigo? Ok. Alors. Alors, c'était quoi? It's a kind of man. C'est Queen! C'est Freddie Mercury. Tu sais que Freddie Mercury, vous savez, mesdames et messieurs, quand même, que Freddie Mercury a vécu à Montreux. C'est enfin, vécu. Il est venu mourir à Montreux. Personne ne vit vraiment à Montreux. Tu sais, il paraît même. Tu te calmes là-bas! Bien! Il paraît même, chers amis, que c'est ici qu'il aurait attrapé le sida. Oui, 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 c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Et alors, vous savez quoi? Après, il a été enterré, mais en fait, il a été momifié, il a été embaumé, et après, ils l'ont mis au bord du lac, ils ont fait la statue autour du cadavre. D'où l'odeur sur les bords du lac. Eh oui, office du tourisme! Ok, merci Eric pour ce lancement fameux. Donc. Est-ce que le principe est bien clair pour tout le monde? Oui! Est-ce que vous êtes chaud à Montreux? Oui! Ok, alors c'est parti! Les Et c'est parti, messieurs, dames, pour une première chanson. Si je vous dis, tu peux sonner ma cloche. Sonner ma cloche, sonner ma cloche. Ring my bell, Anita Ward. C'est la bonne réponse, bravo. Je suis contente que tu sois là. Dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Je crois que oui, je le vois dans tes yeux. Que je fais la vaisselle.
oui, messieurs, dames, vous découvrez enfin qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de grands mots pour faire de grandes chansons. Et je vous fais un autre petit exemple très simple qui reste dans le thème de la soirée. Si je vous dis bicyclette, 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 bicyclette. Mais c'est ça. Bicycle Ways de Queen, c'est la bonne réponse. Allez, c'est parti. Bicyclette, bicyclette, bicyclette. Ma bicyclette, bicyclette, bicyclette. Je veux conduire ma bicyclette. Je veux conduire mon vélo. Je veux conduire ma bicyclette. Je veux la conduire quand je veux. Bravo, bravo. C'est très bien. Merci, mon frère. Voilà, c'était une bien belle chanson de nos amis de Rennes. Si je vous dis, c'est très simple, tu dis oui, je dis non. Tu dis stop et je dis va, va, va. You say yes, I say no, c'est bien, tu sais traduire, c'est une bonne première étape, mais il me faut le titre, s'il te plaît. Hein ? Exactement, tu dis oui, je dis non, tu dis stop et je dis va, va, va. Hello, goodbye, The Beatles, c'est la bonne réponse, bravo. Jérémy, tu viens avec moi, s'il te plaît, on va la chanter ensemble. Ça va, vieux? Ça va. On l'a répété, celle-là. Hein? Ouais. Je te mets là, s'il te plaît. Pierre-Marie, tonalité, s'il vous plaît. J'aime. C'est tout droit. Ouais. Tu dis oui, je dis non, tu dis stop, et je dis va, va, va. Oh, oh non, tu dis au revoir, et je dis bonjour, 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 je sais pas pourquoi. Pourquoi tu dis au revoir, je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir, je dis bonjour. Tu dis oui, je dis oui, je dis peut-être non. Que je veux dire non. Tu dis... Je sais pas, il y a plein de possibilités. Pourquoi ? Et je dis, je ne sais pas. Oh, oh non. Tu dis au revoir. Je dis bonjour, bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir. Je dis bonjour, bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir. Je dis bonjour. On va peut-être arrêter. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis au revoir, au revoir? Oh, Jérémy. Oh, Jérémy, c'est moi. Jérémy, c'est moi, c'est moi. C'est Pierre-Marie, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas très bien compris. Il me dit oui, après moi je lui dis non. Pourquoi je sais plus. Je sais pas non plus, mais c'est une chanson sur les paradoxes. Tu comprends? Ouais. C'est les mères, c'est. Ouais, je sais. Allez, ça va aller. Ils t'adorent. Et ils ont rien compris non plus. Ouais. Je veux plus la faire. Oh, je... Allez. Allez, Jérémy. Hein? Pense à tes parents. Pourquoi? Je sais pas. Tu. Tu dis au revoir. Ça veut rien dire. Tu
Je dis. Eh ben dis-le. Je dis. Il fallait dire bonjour. Voilà. Il est sensible, hein. Il est super sensible, hein. Oh, il est mignon. Vous êtes mignon. Bouge. C'est pas votre spectacle. Excellent, comment tu as dû bouger. Non, mais je vais. C'était superbe, Riton. À bientôt. Merci. Les Franglaises. Alors, ok, ça y est, je suis prêt pour mon tour de magie. Et comme j'ai décidé de faire un tour de magie, j'aimerais qu'il fasse sens, qu'il ait une portée un petit peu sociologique à ce tour. Alors, chers amis, j'ai décidé de vous présenter un tour aussi, un tour féministe en même temps. Parce qu'il faut le savoir, dans la grande illusion, dans la magie, je trouve que les femmes sont maltraitées. Tu vois, il y a toujours des espèces de sublimes nanas, tu sais, un mi-dénudé, là, comme ça, mais un peu traitées comme des potiches, tu vois. Et moi, ça me révolte. Parce que quand, par exemple, t'as une nana qui disparaît dans une boîte là-bas, tu vois, et qui apparaît dans une boîte là, alors qu'il y a un mec au milieu qui fait ça comme ça, tu vois, qui est-ce qui travaille ? Schlag. Schlag. Bien entendu. Eh oui. Donc moi, mesdames et messieurs, j'ai créé un tour féministe parce que derrière chaque grand magicien, il y a une grande assistante. Peut-être derrière, par exemple, le grand Chiracchini, dont la baguette magique était connue de toutes les femmes de France. Il y a toujours eu Bernadette, tu vois, on le... depuis toujours. Derrière Sarkozysto, le roi de l'évasion, aucune poursuite judiciaire jamais ne pourrait l'arrêter. Il y a toujours eu Carla, tu vois. Derrière Hollandus qui a quand même réalisé un tour de dingue. Le mec a fait disparaître le PS en moins de 2 ans. Quand même fort. Ben, il y a toujours eu. Ah oui, là on ne sait pas trop. En fait, il y en a beaucoup, mais ils sont cachés derrière. Ils sont dans l'angle, on ne sait pas trop. Donc, chers amis, aujourd'hui, j'ai créé un numéro en honneur de toutes les assistantes du monde entier, car c'est un numéro où c'est le magicien qui fait tout le boulot. Mesdames et messieurs, la Swag Box. Oh, mais qu'est-ce que tu es swag. Mais qu'est-ce que je suis swag. Mais swagons-nous. J'ai disparu, caméléon. Ah, je suis revenu. Mais qu'est-ce que c'est que ça. Une cabine avec une porte à l'avant. Et voici l'avant de la porte avant, hein. Que j'ouvre tout seul, sans l'aide d'une assistante. Et voici l'arrière de la porte avant. Là-bas, pour découvrir la porte arrière. Ou plutôt l'avant de la porte arrière, parce que ça dépend si t'es devant, si t'es derrière. Il n'a rien compris, lui. Vers laquelle je me dirige tout seul, à l'aide de mes petits petons. Et que j'ouvre tout seul, sans l'aide d'une assistante. Hein? Et là, vous pouvez découvrir l'arrière de la porte arrière. Vous n'aviez jamais vu jusqu'à maintenant. Vous pouvez constater aussi que la cabine est vide. Il n'y a rien dessous, rien au-dessus, il n'y a rien autour. Et je le prouve, séquence cascade. T'as vu la dangerosité de ce que je viens de faire. T'as vu, ils ont foutu la barre, ces couillons de décorateurs. De toute façon, rien n'est à ma taille dans cet univers. Rien de rien. Sauf vous, bien sûr, public chéri et adoré. Je vous aime. Et maintenant, il n'y a plus qu'à fermer la cabine. Et vous pouvez constater que c'est moi qui fais tout, tout seul. Que je suis un magicien indépendant. Un magicien du 21e siècle. Alors, après avoir vu ce que vous avez vu, compris ce que vous avez compris, ou plutôt cru comprendre ce que vous avez cru comprendre, comment expliquez-vous ça? Lindsay! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était la Swag Box. Merci. 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 C'est bon, vous pouvez aller me chercher un café, ça va? Merci. Non, 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 non. Arrêtez la musique.
au nom du mouvement Assistante mais pas soumise, j'aimerais parler de nos conditions de travail. Ok, au nom du mouvement magicien phallocrate, je crois que ça n'intéresse personne. Au nom du mouvement assistante mais pas soumise, vous avez vu ce qu'on est obligé de porter? Attends, je porte exactement la même chose, tu oui, plaisantes. Oui, mais toi, tu as chaud. Il y en a marre d'être traités comme des esclaves. Mais tu plaisantes. Enfin, c'est hallucinant. T'as la sécurité de l'emploi que vous avez dans cette période de crise, excuse-moi, c'est assez rare. Ça se respecte. Notre carrière est super courte. Mais, non, mais n'importe quoi. Après, mesdames et messieurs, quand une assistante ne peut plus et n'est plus assez souple pour un tour de magie, qu'est-ce qu'on fait? On les engage en tant qu'assistantes de répétition et elles créent les numéros avec nous. Et oui. Et oui, parlons des assistantes de répétition. Quoi? C'est très dangereux. C'est pas dangereux du tout. Il n'y a jamais eu un accident. Ça va? Tu plaisantes? Pas d'accident. Alors, je voudrais inviter une collègue, Chantal. Chantal. Salut Lindsay, ça va la grande? Bon, bonsoir Chantal, mais ça va, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? C'est pas à moi ces épées là? Ah bah non, je fais une école de magie. Normalement t'es censé les retirer les épées à la fin du numéro. Bah justement à l'école ils ont fait grève les petits cons, alors ils ont laissé les deux. Alors, regardez ma dégaine, on dirait un appareil à fondue savoyarde. Chantal, tu veux pas que je les retire? Ah non, c'est trop tard. Les organes se sont organisés autour. Si tu enlèves une épée, il y a tout qui vient avec. Remarque, ça me tire la peau, comme ça j'ai plus une ride. Oh, wow. Remarque, c'est pas facile pour dormir. Oui. Ah ben non, je suis obligé de dormir debout depuis 76, quand même. Ah oui. Il y a certainement des trucs que tu peux plus faire. Ah oui, je peux plus aller à la piscine. Ah bah oui, normal. C'est super dangereux. Ben non, ça me fait des ailerons. C'est surtout pour la rouille. Je vais filer le tétanos à tout le monde. Bon, merci beaucoup Chantal, merci Lindsay pour votre témoignage. Il est temps que vous retourniez en coulisses. C'est fini ça, les magiciens qui donnent des ordres aux assistantes. On n'est pas que de la viande. Enfin là, on est plutôt sur de la brochette. Oh Léo, tu veux un procès au cul, là, le Garcimor de Zurich? Et c'est pour ça que j'ai créé l'association Assistantes mais pas soumises. Voilà, t'as compris? J'en peux plus de vous. C'est toi qui vas faire l'assistante maintenant. Quoi? Ben non. Si, si, c'est toi qui vas faire... D'abord, tu vas fermer ta gueule comme toutes les assistantes. Ouais. Et puis voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais prouver que dans un tour de magie, c'est l'assistante qui fait tout le travail. Bah, tu plais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais refaire le tour du swag box, mais vu de derrière. Mais non, mais on va voir le truc. Mais non, ta gueule, la gouine. Si vous voulez voir le truc, applaudissez. Ah ben d'accord. Le peuple a parlé. Alors merci quoi. Alors très bien, ok, très bien, vous avez parlé, belle bande d'enfoirés. Donc voilà ce qu'on va faire. Ah oui, mais alors tout le monde est bon en plus, tout le monde est prêt, vas-y, ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le tour de la swagbox par... derrière, tu vois? Pas derrière. Oui. C'est comme ça que j'ai eu le job. C'est un public familial. Donc, très bien. Donc moi, alors, je vais faire face donc, au public. Et vous, maintenant, vous imaginez que vous êtes en coulisses. Bienvenue backstage. Bon, j'ai un truc à vous dire. La magie, ça n'existe pas. C'est tout simple. En fait, je suis juste cachée derrière la cabine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais maintenant vous présenter ma création, la Swag Box. Oh, mais tu es swag. Mais je suis swag. Mais swagons-nous. Ça veut dire quoi, swag? Swag, ça veut dire un peu classe, élégant, tu vois, un peu brillant, tout ça. Mais c'est un peu passé de mode. Pas vu passer, moi. Donc, je suis caché et je suis revenu. Bon, ben, mine-toi le cul, Candelero. Et j'ouvre la porte devant tout seul, sans l'aide d'une assistante. Séquence cascade. Et là, vous pouvez découvrir la porte arrière, hein, et plutôt l'avant de la porte arrière, parce que ça dépend si c'était devant, si c'était derrière, hein, que je vais ouvrir tout seul, non plus sans l'aide d'une assistante. Voyez, mesdames et messieurs, comme c'est l'assistante qui fait tout le boulot, pendant que l'autre grand couillon se la pète.
Et là, vous pouvez découvrir l'arrière de la porte arrière que vous n'aviez jamais vue jusqu'à maintenant. Et vous pouvez constater que la cabine est vide. Oui, je suis là. Souvenez-vous, la barre, tout ça. Bon, je ne vais pas tout vous refaire non plus. Hein, bien. Si tu pouvais accélérer un petit peu, parce que même les Suisses qui sont réputés lents quand même, hein, ils trouvent ça très très lent, non? Ok, je ferme. C'est moi qui ferme la porte tout seul, sans l'aide d'une assistante. Alors, attention, la porte secrète. À tout de suite, je vous aime. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après avoir vu ce que vous avez vu, compris ce que vous avez compris, ou plutôt cru comprendre ce que vous avez cru comprendre, comment expliquez-vous ça? Bien, mon chéri. Un peu gringalé, mais il est ferme quand même. Hein? Au revoir, chéri. Au revoir. Chantal Latsou, Calista Sinclair, Martinet de Valence. Merci, mesdames. Merci. Alors, les amis, ce soir, je vais accueillir des invités que j'adore. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce que pour moi, il représente quasiment l'inverse de la magie, l'inverse de l'escroquerie. Hein, parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un magicien. Un magicien, c'est tellement menteur, tu ne peux même pas croire l'inverse de ce qu'il vient de te dire. Tu peux répéter ce que je viens de dire? Non? Eh bien, tu sors. Bien, je vais accueillir maintenant, je dirais, l'homme qui symbolise l'honnêteté. L'homme qui se bat pour la veuve et l'orphelin. La gentillesse incarnée, Julien Courbet. Ça va, mon Julien? Bonsoir. Oh, super. Je suis content que tu sois là. C'est rare parce que Julien, il est super connu pour plein d'autres choses, mais vous savez que maintenant, il fait de la scène, quoi. C'est ouais. Ça fait plaisir. Bon. Allez, enchaîne. Bien. Alors, mon Julien, je vais t'annoncer une nouvelle qui va sans doute t'attrister. Ah bon? J'ai arrêté la magie. Ouais. C'est sympa, ça. Mais c'était pas de la magie, de toute façon. C'était quoi? De l'escroquerie. Non, c'était de la vraie magie que je faisais, moi. Ah, c'était de la vraie magie? Ah, moi, je faisais de la vraie magie. Eh ben, on va vérifier ça tous ensemble. Ah, tu me lances un défi. Un vrai défi. Un défi, ok, très bien. Lindsay, assistante. Il faut toujours une assistante pour un tour de magie. Comment je vais te niquer la gueule? Lindsay. Ah, voilà, regarde bien. Là-bas, regarde. Ça, c'est mon assistante chérie, ma ouais. Beauté, ma poésie, mon oui, poème. Oui, c'est ça. Fais gaffe à ta tronche. Ok, merci. Cher Julien. Ce petit foulard que tu peux vérifier, je vais le mettre dans cette petite boîte et je vais le faire disparaître et réapparaître entre les mains de l'INSEE. Hop ! On va d'abord vérifier la boîte. Je t'en prie, aucun problème. Il y a un trou ? Oui, alors c'est parce que sans doute il y a des souris. Voilà, il y a des souris, mais tu remarqueras qu'il n'y a aucun trou. Sur la table. Donc en fait, c'est pas du tout. Tu sais quoi, je vais même pas utiliser la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ce foulard sur la table. Hop. Et je vais faire. Dis quoi? On va vérifier la table. Et on peut savoir de qui il s'agit? Je ne sais pas du tout qui est cet homme. C'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ah, au fait, maman t'embrasse. Maman qui? Je ne connais pas cette dame. Je ne sais pas qui est cette maman. Personne ne sait. Très bien. Oh, mon foulard! Mon foulard! Frérot! Mon foulard! Merci, ma poule. Ok. Ben oui, si je fais pas... Bon, ok, très bien. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire disparaître dans ma main. Comme ça, sans rien. Hop! Quoi? On va prendre mon foulard. T'es vraiment une belle ordure. Une question de confiance. Ok, très bien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous faire signer le foulard. Tiens, je vais faire signer le foulard à une spectatrice, comme ça on sera sûr et certain qu'il n'y a qu'un laquelle? Seul foulard au monde. Ben, je sais pas, moi, la bonne là. Non! Ceci étant dit, elle est vraiment bonne, mais on va pas le prendre avec elle. C'est moi qui vais choisir. On choisit qui? Madame là. Ah, la moche, d'accord. Voilà. Alors, très bien. Ah non, mais non, je vous voyais, vous étiez dans le noir, je ne voyais rien. Tiens, tenez madame, vous voulez bien prendre ce feutre? Comment vous appelez-vous madame? Chantal? Oh, mais ça reviendra à la mode. Alors Chantal, c'est un don. Chantal, s'il te plaît, tu fais une signature sur le foulard, ce que tu veux, d'accord? Tu laisses ce que tu veux, numéro de carte bleue, c'est égal, d'accord?
faut juste que ce soit tout à fait unique au monde. Ok, c'est bon, Chantal. Et tu te grouilles, il y a un rythme dans le spectacle. T'as choisi la plus rapide. Ouais, j'ai vu ça. Ah, ok. Merci, mon Julien. Alors, merci, ma Chantal. Merci. Oh, très honnête, vous me rendez le feu. Ok, très bien. Donc maintenant, regarde, le foulard est unique au monde. La nana ne sait pas écrire, mais je sais même pas dans quel sens ça se prend. Elle a bien utilisé l'espace, en plus. Oui, hein. Elle est... voilà. Il y a qu'un seul foulard au monde comme ceci, cher Julien. Voilà ce que tu vas faire. Regardez bien. On va aller encore plus loin, ça va être dingue. J'ai ici un sac plastique qui sert aux pratiques sexuelles. C'est de l'autre côté. C'est incroyable, t'as toujours eu un truc avec le plastique. J'adore ça. Je mets le foulard comme ça, regarde, dans ma main. Tu mets le sac plastique sur ma main, ok ? Très bien. Et là, regarde, tu l'entoures, s'il te plaît, d'un élastique. Voilà, tu entoures. Excellent. Voilà, donc là, t'es d'accord, regarde. Là, on est tous d'accord. Là, si je fais disparaître le foulard, c'est pas possible. Bien. Oh, un éléphant. Ok, d'accord, magie. Magie, magie, magie. Et regarde, il devient de plus en plus petit. Magie, magie. Le tour de merde. Magie, magie, ça marchera jamais. Magie. Ah, oh, ça commence à marcher. Oui, ça marche, les amis. Oui, ça marche, ça marche, ça marche complètement. Le truc de dingue! Le truc de fou! Il a disparu! Et maintenant... Et vérifie qu'il y a la signature. Chantal! Et oui, en effet, il y a la signature! C'est bien votre signature, ma Chantal? Oh, le truc de dingue! Oh, mais le truc de fou! Le truc de... Mais comment je me kiffe! Comment je m'adore! Je suis trop fort! Mais alors, ça voudrait dire que tu es vraiment magicien? Mais oui, bien sûr! Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi t'arrêtes la magie? Ben, parce que j'en ai marre, je trouve que c'est pas bien, je trouve que c'est trop facile pour moi, les pouvoirs et tout ça. Tu vas faire quoi? Ben, je vais faire de l'humour, maintenant. De l'humour? Ben, mais oui. Pour faire de l'humour, il faut des vannes! Ben, j'ai plein de vannes, Julien. Ah ouais? Par exemple, j'ai une excellente vanne. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, Julien Courbet va tenter de vous faire rire. Un tonnerre d'applaudissements pour Julien Courbet. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ces applaudissements là pour m'accueillir? On a l'impression qu'on vient de vous annoncer que François Hollande allait devenir président de la Suisse là. Oh. Bon, vous êtes bien installés? Oui. Ah ben, vous plaignez pas, hein? Ah ben, vous êtes mieux installés que ceux qui assistent aux émissions de télé, hein? De toute façon, à la télé française et suisse aussi, hein, le placement du public est complètement bidon, vous le savez, ça. Qu'est-ce qu'on met toujours au premier rang, derrière l'animateur, à la télé, toujours? Eh oui, les bonasses, il a raison! À la télé, on met toujours les belles nanas au premier rang, alors qu'à Montreux, pas du tout, hein? Bonsoir. Allez, quels sont ceux qui, quand je suis arrivé, ont applaudi en se disant « Tiens, on va applaudir Julien Courbet, comme ça il sera content, et du coup, il va peut-être nous aider à récupérer notre frigo qui est bloqué depuis 3 mois chez Darty. » J'en ai ras-le-bol, mon nom est systématiquement associé aux arnaques, tu vois, il y a une dizaine de jours, j'ai voulu réserver dans un grand restaurant à Paris pour un anniversaire de mariage, donc je téléphone pour réserver, tu vois, voilà comment ça s'est passé. « Allô, le restaurant à la Tour d'Argent ? Oui, bonjour, c'est Julien Courbet. Foutez-nous la paix, on a rendu l'argent !» Faut me lâcher avec ça. Surtout que moi aussi, je me fais arnaquer, comme vous tous. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a 2 ans ou 3 ans, Madonna est venue à Paris. Elle est venue à l'Olympia. 200 euros le billet. Elle a chanté 6 chansons. Ben tu vois, ça pour moi, c'est de l'arnaque. Mais il y a pire comme arnaque. La semaine d'après, j'étais voir Ariel Dombal, elle a chanté tous ses albums. Alors inutile de vous dire qu'on parlera pas d'arnaque ce soir. Non, ce soir je suis venu vous parler d'amour. Parce que ce soir, mesdames et messieurs, cette semaine, je fête mes 15 ans de mariage. Hey ! Ah ! Merci de m'applaudir, ça me donne du courage. Et 15 ans de mariage, il faut faire un cadeau, évidemment. Donc j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour nos 15 ans de mariage ? Elle m'a dit, emmène-moi dans un endroit où je n'ai jamais été. On est allé voir un match de foot.
Non, en fait, elle m'a dit, j'aimerais voir le Taj Mahal. Je lui ai dit, pour nos 15 ans de mariage, je t'emmènerai voir le Taj Mahal. Elle m'a dit, mais alors, dans ces cas-là, pour nos 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'irai te chercher. Ben, de toute façon, tu peux jamais faire cadeau ce que tu veux à une femme pour un anniversaire de mariage, à cause de cette fichue tradition des noces. Vous connaissez ça? Moi, pour les 1 an de mariage, j'étais amoureux, je voulais lui acheter un petit brillant, j'ai pas pu. 1 an de mariage, c'est les noces de coton, j'ai dû lui acheter un torchon. Et là, j'économise, hein. Je mets tout mon argent de côté. Parce que je suis très amoureux de ma femme. Et j'espère bien aller jusqu'à 66 ans de mariage. Et 66 ans de mariage, ça coûte super cher. C'est les noces de granit. Je vais lui payer une tombe. Mais, hey, vous savez jusqu'à combien ça va? Jusqu'à 80 ans. Et vous savez ce que c'est, 80 ans? C'est les noces de... de chêne. Hein? Ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça les noces de chêne à 80 ans. Peut-être qu'au bout de 80 ans, tu te dis comment j'ai pu passer ma vie avec ce gland. Je sais pas. Mais... 15 ans de mariage, c'est génial. Mais attention, je le dis pour les jeunes couples dans la salle, il y a une petite usure sexuelle qui peut s'installer dans le couple. Ah oui. Il ne faut pas la laisser s'installer, sinon ton couple, il est mort. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a pris des décisions. On a décidé de refaire l'amour n'importe où, comme quand on était jeune, tu vois. On a démarré par la cuisine. Mais j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, ça a été de descendre le lit. Mais... on s'est dit, il faut refaire l'amour n'importe quand, tu vois. On a fait un soir l'amour à 4h du matin, extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai réveillé pour lui dire, mais... je lui ai dit, faisons comme si on était jeunes de nouveau, on va faire des positions d'amour rock'n'roll, tu vois. Pas toujours la même position, on a fait des trucs, mesdames et messieurs, des trucs. Oh, j'ai jamais vu ça. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est ce que nous a dit l'ostéopathe quand il nous a décoincé le lendemain, mais... mais... le truc, je vous le donne, c'est de retrouver la fougue que t'as quand t'as 20 ans. Tu sais, quand t'as 20 ans, tu rentres de la fac, t'arrives dans ta petite chambre d'étudiant, et là, il y a ta copine qui t'attend. Et dès que t'as passé la porte, elle se jette sur toi, elle te défait la chemise bouton après bouton, elle en fait une boule. Et j'ai dit à ma femme, il faut refaire la même chose avec moi. Le lendemain, je suis rentré du boulot. Elle m'attendait derrière la porte. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a défait la chemise bouton après bouton, elle en a fait une boule, elle me l'a donnée, elle m'a dit « tu vas la mettre dans la panière de la châle !» Par contre, il y a des trucs qui passent avec le temps et qui reviennent jamais. Tu vois, quand t'as 20 ans, tu peux pas regarder un film à la télé jusqu'au bout. T'as trop envie de faire l'amour. Quand t'en as 40, tu peux pas faire l'amour jusqu'au bout, t'as trop envie de voir le film, tu vois. Mais je dis ça, mais le mariage, c'est super. Mesdames et messieurs, merci. Oh les amis, quelle soirée on va passer. Je vous dis pourquoi j'ai arrêté la magie, c'est parce que j'ai rencontré, je pense, le plus grand magicien au monde. Le mec m'a fait un tour, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je crois que je connais vraiment toutes les techniques au monde et je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai aucune idée de la manière dont il fait. Donc j'aimerais vous le présenter, on va faire un appel, vous savez, vidéo, parce qu'il a tellement de trucs à faire dans le monde entier, donc on va l'appeler sur FaceTime, QuickTime, comment ça s'appelle, Skype, tu vois, les trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que je retrouve mon téléphone parce que je le perds tout le temps, je ne sais jamais où il est. Ah, oui, parce que je ne sais jamais où je le fous, ce téléphone, là. Voilà, merci. Ouf, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, lui. Oh, tu m'attaques. Excellent. C'est super, t'as vu, tout ça, c'est radio-guidé, hein, bien entendu. Hein. C'est tout, c'est télécommandé. Ah, on a un budget de folie en Suisse. Bien. L'équipe technique, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bravo, bravo. Bon, les amis, donc, je vais faire un appel vidéo, mais pour faire un tour avec lui, il faut que j'ai besoin d'un spectateur, un spectateur choisi au hasard parmi toi. Donc, non, je vais choisir un spectateur plutôt quelqu'un qui, je sais pas, qui aurait l'air sympathique, un petit peu, qui serait un peu fringué pour l'occasion. Ah bah tiens, vous êtes super, vous. Bonsoir, monsieur, comment vous appelez-vous? Ça va bien? Levez-vous? Mais arrête de déconner. C'est un truc de fou, mais t'es gigantesque. Mais combien mesures-tu? 97. 97. Ça veut rien dire en français.
97, on dit, tu vois. En même temps, c'est vrai, c'est beaucoup plus logique 90. Mais bon, je ne t'aime pas beaucoup, assieds-toi. Alors, on va prendre plutôt quelqu'un de normal. Bah, tiens, vous êtes normal, vous, monsieur. Tiens, venez, comment vous appelez-vous, monsieur? Pascal. Pascal. Attendez, un applaudissement pour Pascal. Venez avec moi, Pascal. Viens. Viens, voilà. Voilà. Alors, Pascal, toi, par exemple, à titre indicatif, tu mesures combien? 1,73. Nabo, bien. Alors, Pascal, tu vas t'asseoir là sur la chaise qu'il a, d'accord? Mais tu passes jamais devant la star. Tu fais le tour, tu respectes, s'il te plaît. Les gens ne respectent, je trouve ça dingue. Assieds-toi, Pascal. Voilà, merci. Donc, Pascal, je vais te demander d'être très efficace parce qu'il n'a pas beaucoup de temps à nous consacrer. Donc, quand je vais l'appeler, je vais te demander à un moment de tirer une carte. Alors, pour tirer une carte, c'est très simple. J'ai un jeu de cartes. Déjà, je vais vous le montrer à tous, que tout le monde peut... On le range, bien. Alors, toutes les cartes, bien sûr, sont différentes les unes des autres, hein, sinon c'est un triste tour. Hein, on peut le montrer, voilà, excellent, tu vois, toutes les cartes sont différentes, Pascal. Et ce que tu vas faire, je vais te dire, tiens, tu choisis une carte, et puis tu vas, par exemple, poser ton doigt sur une carte comme ça. Tu vois, par exemple, tu vas la poser là, par exemple, ça sera celle-là, et donc on prendra la carte qui est là, et tu la regarderas. D'accord? Tu la mettras contre ton cœur, tu la regarderas, tu la mettras contre ton cœur, et tu ne la montreras pas, parce que je ne veux pas qu'on puisse croire qu'il y ait la moindre caméra, ni que moi je puisse la voir, je veux que personne ne puisse voir cette carte. Est-ce que tu as compris, Pascal? Tu te calmes. Je suis fou. Attends, c'est où déjà le micro? Ouais. Siri, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler le plus grand magicien du monde? Oh Louis Grand Maître, je suis en train de composer le numéro. Merci, je Siri. Vous aime. Merci Siri. Allô? Oh Jamel! Oh, salut oh, cheveux! Salut mon pote, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, tu m'entends bien là? Mais t'es où là? Y'a du monde derrière, non? Oui, 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 faites du bruit pour Jamal! T'entends? T'es en Suisse? Oui, je suis en Suisse! Tu dis ça parce qu'ils sont un peu mous? Oui. Oui, c'est ça, ok. Alors, Jamel, tu veux bien, s'il te plaît, tu veux bien me faire le tour que tu m'as fait l'autre jour, le truc qui déchire là? Le tour de carte de sa race là, le truc, la folie? Arrête! Hey, t'es relou. Allez, s'il te plaît, regarde, il y a le public, tout le monde a envie. Ok, tiens-moi ça. Ok. Merci, mon Jamel. Ok, regarde, j'ai tout préparé, regarde. Là, il y a un monsieur qui va tirer la carte dans un instant, tu le vois ou pas? Tu vois pas bien dans l'écran, tu vois? Lui, là. Il est bizarre, lui, hein? Oui, bah, pff, c'est un Suisse, c'est sans doute un banquier, je ne sais pas. Alors, dédicace à la HSBC. Bon, mon Jamel, je suis tout est prêt. Voilà, monsieur, vous posez vos doigts sur une carte. Vous posez vos doigts sur une carte, celle que vous voulez, celle-là par exemple, très bien. Vous la regardez, vous ne la montrez à personne, vous la mettez contre votre cœur. Il la met contre votre cœur. Faut que je fasse la télépathite. Fais la télépathite, ok. Un sept. Comme sept. Les sept nains. Ouais. Du cœur. Sept de cœur, je. Montrez la carte. Montrez la carte, c'est quoi? Oui, c'est un 7 de cœur, mon Jamel. C'est un 7 de cœur. Comment ça déchire? Ça déchire. Et toutes les cartes sont différentes. Hein, t'aurais pu choisir ce que tu voulais. Hein. Hey, Jamel, tu peux le refaire, s'il te plaît? Ah, t'es relou, là, deux fois. Ça marche pas deux fois. Hein. Mais si, vas-y, c'est trop beau. Refais-le. Bon, choisis une autre carte. Ok, tu poses ton doigt sur celle que tu veux. Toutes les cartes sont différentes. Tu poses ton doigt sur celle que tu veux. Celle-là, tu la poses, tu la regardes pas. Tu la mets contre ton cœur directement. Directement, tu la regardes. C'est bon. Tu peux la deviner? Télépathite. Un trèfle de pique. Un quoi? Trèfle de pique. Un quoi? Un quoi? Ça n'existe pas, cheveux. Con lui. Je vois un 3. 3. Ouais. Carreau. Un 3 de carreau. Un 3 carreau? Vas-y, montre la carte. Nom de Dieu! C'est un 3 de carreau! Le truc de dingue! Mais comment c'est possible? Mais comment tu fais, quoi? Je ne comprends pas comment il fait. C'est un truc de fou. Regarde, toutes les cartes sont levées, là, tiens. Mais explique-moi. Je t'en supplie. Explique-moi. C'est inné. C'est inné. C'est un don. Non, mais vas-y. C'est dingue. Alors, si, juste un truc. Le tour est génial, mais c'est fou, quoi. Tu tires, là, tu devines. Mais je trouve que je peux te dire un truc. Je peux te faire une remarque. Ouais. Alors, c'est juste, en termes de mise en scène, comment dire, c'est vraiment bien, mais en termes de mise en scène, c'est un peu pauvre. C'est-à-dire, c'est un peu pourri en mise en pourri scène. Pourri? Ben oui, parce que tu fais tirer une carte, c'est un peu, tu vois, c'est un peu pourri. C'est tes cheveux qui sont pourris, Eric. Hein, cousin? Oh, ça c'est de la mise en scène, frère. Tu vas pas me donner des conseils de mise en scène, quand même?
des trucs de dingue. Un petit peu en mise en scène quand même. Hé, hey, poteau, fais un plan sur ma poche. Mais... C'est quoi ta mise en scène là? Hulot Martin Scorsese. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis, poteau? Bah, 3 de carreaux. 3 de carreaux, l'ami. Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Vous permettez? Attends, une seconde. Je te rends. Ah, coupe pas. Qu'est-ce que tu dis là? Oh, le truc eh de oui, fou! Eh oui, c'est un 3 de carreaux. Comment il c'est t'a niqué la gueule? C'est un truc de fou! Tintin, une seconde. Ça? Comment, c'est quoi, Tintin, ça? Un 3 de carreaux. Un 3 de carreaux. Miloud, ça va, Miloud? Tintin et Miloud! Qu'est-ce que... Il est pas content! Il est pas content parce que t'as critiqué ma mise en scène! Et mon poteau? 3 de carreaux. C'est un beau gosse? Je vous présente un ami Depp. Tu permets? Un de carreau. Deux de carreau. Trois de carreau. Mon Dieu, Dieu. Merci, Rob by Mountain. Ça va? Ouais. Comment tu t'appelles? Tibalt. Comment? Tibalt. Tibalt? Oui. T'as bien réfléchi? Oui. Ok. Tu me permets? Hey. Qu'est-ce que tu lis, là? Un trois de carreau. Un trois de carreau, l'ami. Aubergiste, ouais. Montre à Odilis si on sait pas faire de la mise en scène. Ça, c'est de la mise en scène. À bientôt, cheveux. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? C'est hallucinant, quoi. Rappelle-moi ton prénom. Pascal, bonne mémoire. Pascal, c'est dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Tu jures, c'est la première fois qu'on se rencontre. On n'est pas complices. Tu le jures, si tu mens, tu vas en enfer. Si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en France. On est d'accord là-dessus. Un tonnerre d'applaudissements pour Pascal, s'il vous plaît. C'est mieux. C'est fou, quoi. C'est hallucinant, mais vous vous rendez compte? Mais je te jure, je ne sais pas comment il fait. C'est un truc de dingue, quoi. Mesdames et messieurs, c'était Pascal et Jamel Debbouze. Jamel, Pascal, oh là 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 là, mais quelle folie, quel tour de dingue. Alors, vous comprenez qu'après ça, je peux plus rien faire de plus beau, de plus fort, quoi. C'est impossible. Alors, voilà ce que je vais faire. J'ai décidé de former un disciple qui va prendre ma place, qui va être le renouveau de la magie et de l'humour conjugué. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait faire de la magie ici ce soir? Levez la main, les enfants qui voudraient faire un tour de magie, qui voudraient devenir magicien. Oh, il y en a, super. Alors, je voudrais un enfant, si possible, avec une maman jolie. Voilà. Oh, t'as baissé le bras. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Alors, je voudrais, si possible, je voudrais un enfant sage, si c'est possible. Hein? Voilà. Il n'y en a pas un qui baisse le bras cette fois-ci. Très bien. Oui, vous savez que les enfants, à chaque fois que vous faites une bêtise, il y a un ange qui attrape le sida. Vous le savez, ça. Ok, donc, je voudrais un enfant sage, si possible, avec une maman jolie. Donc, pas toi. Et, si possible, infidèle. La maman, pas l'enfant, hein, bien entendu. Ou divorcé. C'est égal. Ok, excellent, excellent. Tiens, j'ai un truc extra pour choisir les enfants. J'ai un truc extra. Merci. Petit, petit, petit. Viens chercher ta sucette. Qui veut sa choupa-choup? Petit, petit, petit. Ah ben là, il y a un enfant super là. Tiens, comment tu t'appelles toi? Mathieu. Mathieu, c'est super. Quel âge as-tu? 9 ans, c'est cool. Elle est où ta maman? Perdu. Mais non! Mais non, mais arrêtez! Vous êtes très très belle, madame! Vous êtes magnifique, madame! C'est qu'elle est fidèle! T'as vu, elle prend pas soin d'elle. Bien, alors, Mathieu, un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu, s'il vous plaît. Viens avec moi, mon Mathieu. Viens. Merci. Mais pour t'accueillir, tiens, viens à côté de moi. Tu te mets là, tu passes sur le. Tu montes sur ça, mais tu passes jamais devant la star. Tu fais le tour, s'il te plaît. Tu n'étais pas là tout à l'heure? Bien, alors, Mathieu, pour t'accueillir ce soir, ça va, tu n'as pas trop peur de moi? Tu n'as pas trop peur des magiciens qui font peur, non? Ah! Tu n'as aucun réflexe. Bien, alors, Mathieu, pour t'accueillir ce soir, j'aimerais citer Charles Baudelaire. Charles Baudelaire qui a écrit Le génie. Tu connais Charles Baudelaire? Non? Ouais, aucune culture. Donc Charles Baudelaire qui a écrit Le génie, c'est l'enfance retrouvée à chaque instant. Qu'est-ce que tu en penses?
Tu cherches tes mots. Tu sais, c'est normal, hein, quand on est jeune, eh ben, on cherche ses mots. Voilà. Quand on est vieux, on les trouve plus. Voilà, c'est... Je sais de quoi je parle, je travaille avec Michel Drucker. Bien, alors Mathieu. Mathieu, ce soir, tu vas devenir un maître magicien en un instant. Parce que cette petite cabine rouge, cette cabine d'essayage qui est là, c'est une cabine de transformiste. Tu vois qui est Arturo Brachetti? Tu sais, le mec qui se transforme. Tu vois qui est Michou? Tu vois, c'est un autre type de transformiste. Tu connais Michou? Bravo les parents. Ok, très bien. Ok, donc Arturo Brachetti, il rentre dans une cabine comme ça et en un instant, il se transforme, il se change en magicien. Regarde, là, j'ai une tenue de magicien. Donc, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner la tenue de magicien. Excellent, tu es déjà super prêt. Et tu vas rentrer dans la cabine et moi, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais faire tout tomber et tu seras transformé en magicien. C'est bon? Extra? Wouh! Mathieu! Vas-y, mon Mathieu, rentre dans la cabine. Mathieu, tu vas devenir un magicien. 1, 2, 3! Oh là 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 là! Oh, oh là, oh là là! Oh, l'accident! Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Eric, c'est le bordel dans ta cabine. Oh là là, même la voix est pétée aussi. Ça va, mon Mathieu? Oh, ça va. Il est tout traviole. Oh, putain. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un fil bleu, un fil rouge, et paf! Et ça a pété. D'ailleurs, tu m'excuseras, le costume... J'espère qu'il a un peu pris, quoi. Oui, si, il n'y a pas que le costume qui a pris. Madame, elle est où la maman de Mathieu? Bonjour, madame. Vous y teniez vraiment à votre fiston, madame? Est-ce qu'il avait des frères et des sœurs en remplacement en cas d'accident? Oui, parce que je ne crois pas que vous soyez encore en âge de procréer. Donc, Mais il se passe quoi, là? Qu'est-ce que j'ai? Ça va pas? Non, tu es en quelle classe, mon Mathieu? En 6e. D'accord. Tu as école lundi? Ah ouais. Va falloir trouver un putain de mot d'excuse. J'ai la photo de classe en plus lundi, faut pas déconner. ça jute. Dis donc, comment te dire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce que je saigne? Il y a un truc? Non, mais ça aurait été mieux que tu saignes. Oui, oui. Pourquoi? Tiens, attends. Oui, parfait. Tiens, regarde. Prends ce miroir. Prépare-toi. Oh putain! Oh putain! Mais il est pété ton miroir, Eric! Non, il marche très très bien! Oh putain, la vache! Mais c'est pour toujours! Ben en fait, j'ai un excellent copain chirurgien esthétique! Oh putain! Oui. Mais il a fait qui, ton les Bogdanov. Ouais, ben laisse, je vais rester comme ça, foutu pour foutu. Mais du coup, elle est où, ma maman, là? Ta maman, c'est la dame qui est là-bas. Tu vois la dame, la blonde, là, qui est là-bas? Ah là, ouais. Qui fait coucou. Ouais. Elle est bonne. Non, mais oh! Mais tu peux... Mais t'es malade! Mais c'est ta. Oh! Mathieu, c'est ta maman quand même! Ah ouais, c'est ma mère, ouais! Mais ça va pas! Mais wow! Wow! Oh là! Wow! Mais sinon, tu veux toujours être ma maman? Oh. C'est mignon. Si tu veux pas, bah on peut niquer! Hein, Quoi? Mais attends, c'est l'élégance cette soirée, il faut faire attention! Bon, alors, mesdames et messieurs, vous connaissez tous Queen, et j'aimerais citer Freddie Mercury qui a dit. J'aime la bite! Non, Si, il a dit ça. Non, il a dit de. Il l'a dit. Non, il a dit The show must go on. Voilà. Ah, bah du coup, je peux faire des blagues. Par exemple, c'est une pute et un chameau. Non. Tu sais, vaut mieux qu'on se tienne à la magie. On fait faire juste la magie tous les deux. On va faire ça, ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu, alias Guillaume Batz! Ça va toujours? Super. Alors, je vais commencer par répondre aux 3 questions majeures que les gens se posent avant de venir voir mon spectacle. Première question,
Est-ce que l'achat de ma place est considéré comme un don humanitaire et est-il déducté de mes impôts? La réponse est non. Deuxième question. Suis-je quand même une personne sensible et tolérante si je ne rigole pas? La réponse est non. Et enfin, troisième question. Guillaume Bas est-il contagieux? La réponse est oui. Surtout pour les premiers rangs. Voilà! Bien, écoutez, alors bah, je me présente, je m'appelle Guillaume Bas. Et c'est marrant parce que depuis quelques années, bah, j'ai eu la chance de faire plein de télé. Et ça arrive que de temps en temps, les gens me reconnaissent dans la rue. Et ils sont mignons, les gens, quand ils me reconnaissent, ils me disent « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Bas ?» À votre avis, j'ai en même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie, elle est quand même assez mince. Hein, Moi, je suis sosie de Guillaume Bas et c'est déjà très très bien. En plus, franchement, c'est quoi la vie d'un sosie? Autant se casser le cul pour ressembler à quelqu'un que t'es pas. Bon, moi, imaginons... Bon, je suis fan de personne, hein, voilà, je vous le dis. Je m'en fous un peu. Mais imaginons, je suis fan de Michael Jackson. Imaginons. C'est pas pour autant que je vais devenir sosie. Tu me vois avec le gant pailleté, le chapeau noir, faire le moonwalk. Déjà que quand je marche dans la rue, on sait pas si j'avance ou si je recule, tu vois, donc... Non, mais c'est vrai. Puis alors, quand t'es sosie, tu adaptes toute ta vie à la personne que tu sosifies, quoi. C'est vrai, c'est... sosie de Renault, tu picoles. Sosie de Mick Jagger, tu te drogues. Et sosie de Calogero, t'es dépressif. Voilà. Oh, si, il est dépressif, le Calo, hein. À part baiser dans un ascenseur et chialer parce que son père lui manque, j'ai envie de lui dire à mon Calo, dis-lui combien tu gagnes à Papounet, je peux te dire qu'il va t'en faire des signes, hein. Non, puis alors, en plus, quand tu choisis de faire sosie, très souvent, les mecs, ils choisissent des stars à la pointe, quoi. Mike Brandt, Clo-Clo, Johnny. Que des artistes morts, tu vois, c'est... Ah si, il est mort, Johnny, hein. Ah si. Il est mort 4 fois, déjà. Il est encore plus mort que les autres, tu vois. Non, Johnny, c'est quand même le mec qui nous a fait 8 tournées d'adieu, hein. Ah si. Tournée de au revoir, tournée de à bientôt, tournée de pardon, j'ai oublié mon manteau, et... On a compris, Johnny, hein. Bon, voilà. Dans ma vie professionnelle, ça va, mais dans ma vie privée, toujours avec les filles, j'ai toujours un petit peu de problème. Et il n'y a pas longtemps, je me suis inscrit sur Tinder. Donc Tinder, c'est une application hein, où défilent des profils d'hommes ou de femmes, en fonction de ce que tu recherches. Les deux, si t'as un gros porc, hein, c'est pas grave, hein. Soit tu likes, soit tu jettes. Et si la nana te like aussi, eh ben, à ce moment-là, vous pouvez vous parler. Alors maintenant, mesdemoiselles, il va falloir qu'on établisse quelques règles. Arrêtez les photos de groupe avec vos copines. Hein. Photo, tu as 4 nanas, 3 bombes, 1 boudin. Tu peux être sûr que 9 fois sur 10, c'est le boudin. Parce que le boudin, cette particularité, c'est qu'il croit que la beauté est contagieuse. Le Bouddha se dit, au milieu de 3 canons, on ne la verra pas, ma sale gueule. Et mes 72 kilos, en trop. Voilà. Non, puis alors, des fois, c'est rare, mais ça arrive que... Il y a une nana qui me like aussi. Et c'est marrant parce que, au fur et à mesure de la conversation, elle me demande très souvent si je suis le vrai Guillaume Bas. Je lui dis alors, écoute bien, Colombo. Est-ce que tu penses un instant que si je voulais me faire une meuf en me faisant passer pour une vedette, est-ce que tu penses sincèrement que je choisirais Guillaume Bas? Ça te paraît le plus judicieux? C'est comme si t'avais un mec sur le bon coin qui voulait vendre une Ferrari Testarossa 1984 et qui se dit « Non! Je vais mettre la photo d'une Renault 14. Ça sera certainement plus vendeur, hein ?» Non, puis alors, le descriptif est très important aussi. Hein. T'as les nanas, mais... Pardon, hein, je vais peut-être être un peu méchant. Mais elles sont laides. Mais laides. Mais moi, les vraies laides, hein, les bio, les naturelles, tu vois. Et puis... Et dans leur descriptif, elles mettent... Pas là pour les plans cul. Tu fais bien de le dire, sinon c'était les meutes. Hein, Non, mais voilà, en tout cas, moi, je continue de chercher avec mes moyens comme ça. Et je ne cesserai jamais d'y croire. D'ailleurs, ne cessez jamais d'y croire. Parce que croire, mes amis,
rimera toujours avec espoir. Merci beaucoup. Hé, hey, c'est quoi? J'ai arrêté la magie. Ouais, je sais, c'est chouette. Ah ben sympa. Non, c'est chouette. Mais tu sais, les gens n'aimaient pas beaucoup ce que tu faisais en vrai. Hein. Tu sais, cette espèce de mélange de magie et d'humour, c'est bien que t'aies arrêté la magie et l'humour parce que... J'ai pas arrêté l'humour. Ah si, hein. Regarde ton dernier spectacle, il n'y en avait pas dedans, hein. Je te remercie. T'es rigolo. C'est pour rire, en fait, Julien. Vous savez, c'est le spécialiste de l'humour noir. Il fait des blagues noires, tu vois. C'est rigolo. Je ne t'aime pas beaucoup. Bien. Mais tu sais quoi? Je me suis mis à un truc de fou. Mon nouveau métier, la voyance, spiritisme, boule de cristal. Je tire les cartes, les tarots. Tu veux que je te lise ton avenir? Non. Viens avec moi. C'est non, excellent. Je veux pas. J'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Mais j'ai pas envie de connaître mon avenir. J'ai déjà pas envie de connaître mon présent. Mais, je veux pas. Mais vas-y, ça va être trop bien. Par exemple, je sais pas, je vais te dire comment ton prochain spectacle va marcher. Ça commence quand ton prochain spectacle? Là, ça va démarrer. Là. Publicité. Bien, non, ok. Assieds-toi. Non, ça peut que marcher, Jérémy. Les gens, ils t'adorent. Quand je suis rentré comme ça, les gens, ils t'adorent. Enfin, les gens qui te connaissent pas, ils t'adorent. Bien, alors. Tiens, assieds-toi, je te fais le tirage. Non, mais il peut pas y avoir de mauvaises choses. Non, il y a quasiment que des bonnes cartes, mon Jérémy, regarde. Tiens, on va montrer à la caméra, par exemple, regarde, là, par exemple, c'est le monde. Ouais. Le monde, ça symbolise un petit peu le succès. Le succès intérieur. Ah, pour le nouveau spectacle, c'est chouette. Ça serait vraiment bien c'est que chouette. Tu l'aies. Par exemple, t'as le chariot. Tu vois, le chariot, c'est le voyage. Par exemple, ça veut dire que tu vas faire une tournée extraordinaire. Tu vois, par exemple, t'as quoi? T'as l'empereur. L'empereur, alors ça, c'est plus le succès financier. Ça, c'est bien. Donc, super. Donc, on va faire un tirage. Ok, excellent. Donc, je mets les cartes comme ça. Oh. Pas hier de merde, hein? Non. Mais me casse pas mon... Non, non, il y a quasiment pas de mauvaises cartes au tarot. Il y a quasiment, tu vois, c'est que les bonnes cartes. Donc, ce que j'aimerais... Oh, c'est personnel, mec, ok? Oh. Donc Jérémy, j'aimerais que tu te concentres sur le sujet que tu voudrais, dont tu voudrais connaître des informations. Donc le spectacle. Le succès du spectacle. Donc tu te concentres avec la main gauche, la main du cœur, tu sors trois cartes du jeu. Trois cartes. Ouais. Pourquoi pas? Ok, je ne suis pas celle que j'aurais prise, mais bon, fais ce que tu veux. Je voulais pas le faire hein, au départ. Hein. Oui, d'accord, mais c'est bien. Alors, on va lire, on va regarder tes cartes. Alors, la première carte, la numéro 13, la mort. Alors, la deuxième carte, la numéro 12, le pendu. La troisième carte, la 9, l'ermite. Bon, moi, je m'y connais pas, mais... C'est pas ouf, là, quand même, hein? Non, mais je dirais pas ça, parce que, en fait, si tu veux, la carte, elle veut pas vraiment dire ce qu'il y a dessus. Oui. En fait, la carte, c'est plus une métaphore. Par exemple, la mort, c'est pas vraiment la mort. Ah, c'est plutôt c'est une fin de cycle, une fin d'une période, une fin un peu de cycle de vie, tu vois. Oui, c'est la mort, quoi. Oui, c'est la mort. Mais... Les cartes ne veulent rien dire par elles-mêmes. Les cartes, mon Jérémy, elles sont associées. C'est comme ça qu'elles prennent sens. Par exemple, d'accord. Là, la mort plus le pendu, ça veut dire que tu vas mourir, mais asphyxié. Mais attends, parce qu'avec l'ermite, ça veut dire que tu vas mourir asphyxié, mais seul. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Ah. C'est chouette parce que ça veut dire que tu vas mourir tout seul, que personne ne va trouver ton cadavre et donc que tu ne vas peiner personne. C'est bien, c'est chouette. T'as une autre question? Sur un autre sujet, par exemple, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'autre qui t'intéresse, mis à part le spectacle, un autre sujet que tu aimerais peut-être je mélange comme ça. On peut faire un truc genre...
fous de ma gueule. Non, bien sûr que non. Maintenant. Sentimental. Jérémy Ferrari sentimental. Le spécialiste de l'humour noir. Oh, je cueille des fleurs, ma chérie. Comment t'as perdu toute crédibilité. Freddy Mercury. Bien, alors. Alors, tu te concentres sur le sentiment. Tu penses à ton futur amour. Et elle n'existe pas encore, donc... Mais elle existe, elle est peut-être quelque part, elle est peut-être dans cette salle, peut-être c'est elle. Non. Bah, j'espère pas, parce que... Tu te concentres, tu sors trois cartes, mais tu te concentres bien sur l'amour, le sentiment. Ouais... Ok. Je n'aurais pas pris celle-là. Mais ok, pourquoi pas. Alors on va regarder. La mort. Le pendu. L'ermite. Tiens, quand c'est une autre question, peut-être ça change le sens des cartes ou... Prends-en une de plus. C'est là, très bien. Le diable. C'est pas joyeux hein, comme tirage. Hein. Alors, après, moi j'ai cru lire quand même que le diable, parce que parfois des cartes qui paraissent très négatives sont en fait hyper positives, tu vois, dans certains contextes. Okay, j'ai un doute sur le sens. Tu permets, je vais vérifier mon grimoire. Alors, le diable, le diable. Ça se confirme. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ces quatre-là, tu sais ce qu'on va faire? Je vais les mettre de côté. On va refaire un autre tirage. Ouais, mais là, c'est carrément de la triche. Enfin, je... Oui, mais t'as besoin d'aide. Ok. Bon, de toute façon, maintenant, on s'en fout de la question. C'est juste d'avoir un tu peu juste mieux, tu quoi. Tires des cartes. Oh non, oh non, non, bon, ben voilà. Ah, je la repose, je la repose, je la repose, je la repose. Prends une autre. Celle... Oui. Ouais. Alors, j'y connais rien, mais celle-là, je la sens bien. Bien. Je vais commencer par celle-là. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. L'ermite. Le pendu. J'ai une idée, on va changer complètement notre fusil d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va t'exorciser. On va t'exorciser. On va faire une séance, vraiment, si vous voulez, tous ensemble, les amis. On va se donner la main pour Jérémy Ferrari, pour qu'il redevienne un être humain. Que tu rentres dans le troupeau avec nous, d'accord? Que tu redeviennes un membre de l'humanité. Donc, pour ce faire, il faut des ingrédients qu'on va mettre dans cette petite urne, la petite boîte qui est là-bas. Il me faudrait un cheveu de vierge. Ok, j'y vais. Non, là, non, elle est fatiguée. Hein? Elle est un peu fatiguée, elle, quand même. Un peu, à quelques kilomètres au compteur, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Quoi, pas vierge? Elle le crie, elle est contente. Elle me dit, non, pas vierge, Jérémy. Elle me dit, oui, j'ai compris, j'ai compris. Alors, non, bah, oui, mais vous êtes bien vierge quelque part, madame. Non, non, elle est pas bien, d'accord. Bon, d'accord. D'accord, très bien, très bien. On a toujours un nouveau terrain à découvrir, une terre à explorer. Ouais, bah apparemment, d'un c'est point fait. De vue, hein. D'un point de vue métaphorique. Quoi? Ben oui, je vais te tirer les cheveux. Hey, avec ce que tu viens de nous dire avant, c'est pas la première fois. Hein. T'es prête? Excellent, merci. Ah oui, alors maintenant, rien senti. Il me faudrait, s'il te plaît, Jérémy, il me faudrait... T'as connu pire?
il me la faudrait... Vierge de nulle part. Il me... Jérémy Ferrari, revenez parmi les êtres humains. Jérémy Ferrari, voilà. Revenez. Il me faudrait maintenant du sel. Me dis pas ouais. Qu'il y a du sel. Ouais. T'as du sel. Ouais. C'est quoi? Montre. Hein? Tiens, alors regarde. Tu mets le cheveu, la larme, tu la mets dans la boîte. Ouais, t'en as besoin de beaucoup? Tu mets du sel, voilà. On va faire un exorcisme, vous allez voir, c'est voilà. Non, vas-y, mets du sel. Ouais, mais c'est cher, ça... Ouais, c'est bon, ça va marcher. C'est du sel. Oui, mais si ça marche pas, j'ai besoin d'un peu de... Tu vois? Bien, tu me tiens l'urne, s'il te plaît? Oui. Voilà. Tiens, écarte-toi un tout petit peu. Je vais montrer ce guéridon à chacun qui va accueillir les esprits. On pose l'urne de l'exorcisme. Parfait. Délicatement sur la table. Excellent. Et là, regarde, tu viens avec moi. Et puis tu vas saisir les deux coins de la nappe. Comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Là? Tu saisis. Exactement. Et là, tu te concentres. Tu te concentres, Jérémy. Concentre sur quoi, tu... Tu te concentres sur des choses positives. Ah, voilà, ça marche. Ça marche. Jérémy, regarde, soulève la nappe. Ah, attention, ça part. Reviens ici. Tu sais... Mais ne jette pas ça comme ça. Arrête de jeter ça. L'exorcisme a fonctionné, mesdames et messieurs. Jérémy Ferrari! Ça y est, après moult recherches, je suis arrivé à la conclusion ultime que j'ai trouvé ma vocation, mon nouveau métier. Les copains, je vous ai amené ma nouvelle galerie de marionnettes, un truc de folie. Vous allez voir, c'est trop bien ce que j'ai amené. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends. Non, notre. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir. Ça, voilà. Regarde. Je fais de la marionnette. Oh, il mange. Oh, regarde le public. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, regarde la jolie femme. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une jolie femme? Qu'est-ce qu'on fait? Il adore danser. Hein. Et regardez, c'est un faux. Hypnose. Chat. Et maintenant, tu dors. Et maintenant, tu es sous mon pouvoir. Tu deviens tout ce que je veux. Tu deviens un Indien. Wow. Tu deviens Georges Brassens, Emmanuel Chin, Denis Roussos, David Croquette. Il devient tout ce que je veux. Regarde, il peut manger. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a un ressort dedans. Il y a un ressort. Tiens, tu peux le faire grimper. Tiens, clac, tu fais ça. Il te fait grimpe. Tu veux essayer, monsieur? Ne t'en fais pas, ça fait pas mal. Non, ne riez pas ce genre de choses. Non, place à l'élégance. Là, je crois vraiment, c'est mon chef-d'œuvre. C'est un bijou, c'est une pièce d'art. Voilà, vous allez voir ma nouvelle marionnette. Oh là là, la beauté. Ça va être trop bien. Ok. Voilà, trop bien fait. Ok, alors hop. Piano, Étienne, s'il vous plaît. Merci, Étienne. La référence. L'autre côté.
mal. Ferme ta gueule. Oh, ça, ça sent la fin de spectacle, hein. Non, ça c'est indécent, là. Attends, non. Bon, j'arrête. Ça marre. C'est chaud. Mickaël Grigorio. Ouais. Là. Ça marre. J'arrête. Non, mais attends, Mickaël, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, remets ton masque, remets le truc, remets tout ça. Les gens, ils te voient, là. Tu vois, oui. C'est un spectacle, Mickaël. Je suis pas une marionnette. Oui, alors ça se discute, mon vieux. Excuse-moi. Déjà que je me suis cogné 4 heures de train dans la valise. Mais oui, mais c'était quand tu rentres dans le personnage. Mais je rentrais déjà pas dans la valise. Écoute, si tu m'énerves, je vais te dire, on est en fin de spectacle, fin de gala, les gens, ils sont heureux, tout s'est bien passé, tu m'énerves, tu sais quoi? On retourne à la ventriloquie. Ça se discute. Ça... Ah ouais, c'est comme ça. Et c'est toi qui fais la marionnette? Non, c'est pas possible. Ben non. Pourquoi? Enfin, c'est évident. Je peux pas faire ta marionnette. C'est comme si tu disais, moi je suis comme une montagne de la chaîne des Alpes et toi t'es comme un dodane. Oui, ma pote. Les plus grands despotes faisaient 1m60, Eric. Oui, mais ils avaient une armée. Et moi, j'ai 46 000 followers sur Twitter. Oui, mais ils vont pas mourir pour toi. Tu crois qu'ils vont mourir pour toi? Je sais pas, je peux peut-être leur demander. Attends. Mais Mickaël, attends, sans rire. Attends, mec, on est en plein spectacle. Il y a un moment magique, poétique. Toi, tu pètes tout. Les gens, ils sont en attente. Là, on sent bien qu'ils sont en attente de quelque chose. Ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Et toi, tu es là, oui, je veux tweeter, mais t'es un malade. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vas-y, je suis Mickaël Grigorio. Je fais de la voix, l'imitation. J'en ai un petit peu marre de toi, hein. Ça commence un petit peu à me fatiguer. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je te le demande et je perds mon pantalon! J'en peux plus! Je vais chanter une chanson alors. Ah ben oui, ça c'est une bonne idée. Au clair de la lune, mon ami non, Pierrot. Non, tu peux pas chanter ça. Non, ça c'est une chanson de cul. Tu ne chantes pas ça. C'est une chanson de cul. Mais non, ma maman me l'a chantée le soir. Oui, mais ta mère, c'est une obsédée sexuelle. C'est une chanson de cul. Non. Tu peux pas chanter Au clair de la lune, tout le monde le sait. Non. Écoute, vas-y, chante-la, donne les paroles. Au clair de la lune. Qu'est-ce que c'est, la lune? Mon ami Pierrot, hein? Prête-moi ta C'est quoi, plume la plume? Pour écrire un mot où? Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Alors c'est très beau, oui. C'est très très beau, mais alors... Si tu permets, je vais te donner une petite information. Pour l'amour de Dieu, la phrase sur laquelle tu as fini, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est une chanson libertine du XVIe siècle. Et à cette époque, l'Église interdisait toute forme de nudité et interdisait l'acte sexuel comme acte de plaisir. C'était juste un acte destiné à la procréation. Donc les hommes et les femmes portaient de longues chemises de nuit. Et les hommes, par exemple, ils avaient une chemise de nuit avec une petite poche ici, tu vois. Et quand ils devaient faire leur affaire, ben, ils ouvraient la petite poche, ils sortaient le matériel, ils faisaient leurs petites affaires, tu vois, procréation. Et après, ils rentraient. Et sur la poche, il y avait brodé pour l'amour de Dieu. Eh ouais, et c'est vrai. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Ça marche pas avec toutes les chansons pour enfants quand même. Si, toutes les chansons, toutes les comptines enfantines sont des chansons libertines. Mais pas la mère Michel. La mère Michel, qui a perdu son chat. Ben oui. Son petit minou. Elle a perdu son chat, elle cherche son... À ton avis, ça vient d'où? Merci, Jackie et Michel. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Mais, il court le furet. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une contrepétrie. Attends, laisse-moi 2 secondes. Oui, il fourre le curé. Il est passé par ici. Et il repassera par là.
Oui. Non, mais... Et Annie aime les sucettes. Ah non, alors, Annie aime les sucettes, non. Ça, c'est une chanson sur la confiserie. Ah. Bon, ça va. Les fondamentaux existent, le Père Noël existe, la petite souris existe, les licornes existent, tout ça existe. Tu vas pas bien, toi. Le Père Noël, mec, la petite souris, les licornes, mais dans ta tête, ça, c'est de la naïveté. Mais t'as quel âge? T'as 7 ans, mais le mec est fou. Le Père Noël, mec, c'est des intermittents du spectacle qui ont plus de pognon, qui, pour faire un pauvre cachet, vont travailler dans grandes surfaces pourries, avec des costumes miteux qui puent la mort, avec des barbes pleines de verre. La petite souris, c'est un rat. La licorne, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de vieux poney pourri qui pue avec un gun sur la tête. C'est ça, t'es malade, tu vas pas bien. Tu devrais consulter, hein? Ça va, viens avec moi. Attends, hop, voilà. Ah, c'est grand. Qu'est-ce que tu es petit? Viens. Qu'est-ce que t'es petit? Viens. Tu crois plus à la magie? Non, je crois plus à la magie. Oh. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc moi, je sais bien que la magie, ça n'existe pas. Mais la magie existe, si on y croit vraiment. Michael Gregorio! Éric Antoine. Grâce à toi, Michael, je crois de nouveau à la magie. Câlin. Qu'est-ce que je dis? Ainsi s'achève le 26e Comédie Contre Festival. Qu'est-ce que je dis? Pour accompagner dans cette soirée splendide, les Franglaises! Le sexy et fantastique Julien Courbet! Les extraordinaires Chantal Latsou et Calista Sinclair! Le fantastique Jamal Debbouze, l'incroyable Mathieu et Guillaume Bass. L'homme avec qui on a créé cette folie, Jérémy Ferrari. Michael Gregorio et son magnifique pianiste Étienne. Et bien sûr,